les points noirs ne sont pas noirs dus à l'hyperpigmentation, ils sont noirs dus à l'oxydation du soleil et de l'oxygène. Hello! Voici les quelques ingrédients que tu as besoin dans ta skincare si tu veux te débarrasser des points noirs et des filaments sébacés. Dans la vidéo précédente, je t'ai fait la différence entre les filaments sébacés et les points noirs. Feel free d'aller regarder cette vidéo parce que je crois que tu vas apprendre une ou deux choses. Bonjour, si tu es nouveau par ici, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne dans la vraie vie et sur YouTube, je fais des vidéos sur le skincare, les maladies de la peau, en gros, le bien-être. Dans la lutte contre les points noirs et la parution visible des filaments sébacés, je vais classer ces ingrédients en trois groupes. Le premier groupe, ça sera les exfoliants. Les exfoliants, dans ce cas, c'est des exfoliants chimiques qui ce seront des exfoliants à base d'acides. On aura par exemple les acides de surface comme par exemple les EHA et les alpha-hydroxyacides et les acides qui vont peut-être passer la première couche de la peau parce qu'ils sont solubles dans l'huile, ça sera les BHA, les bêta-hydroxyacides. Quel est l'acide adapté pour les points noirs et les filaments sébacés? Pour moi, ça sera un acide qui est soluble dans l'huile parce que ici, on va chercher à dissoudre le sébum. Le sébum est une matière graisseuse, c'est de l'huile en général. Le principe de l'huile qui va être diluée dans de l'huile, ou alors quelque chose qui peut être dilué dans de l'huile. C'est pour cela que l'acide adapté ici, ce sera l'acide salicylique. Oui, l'acide salicylique qui est aussi utilisé quand on souffre d'acné. Dans ce cas-ci, l'acide salicylique va entrer dans les pores ou alors dans ce filament et va dissoudre. Ne va pas complètement entrer dans le filament parce que c'est vraiment une petite paroi, mais du point de vue de l'extérieur, il va déjà diluer le sébum qui s'est oxydé et qui a pris cette petite couleur sombre. Les points noirs, par contre, une grande quantité de sébum, donc l'acide salicylique sera bien dans les deux cas parce que ici on a affaire au sébum. Tu pourrais aussi utiliser l'acide lactique. Pour moi, l'acide lactique n'est pas adapté directement pour les points noirs. L'acide lactique sera un peeling de surface. Deux fois par semaine, l'acide lactique et trois fois par semaine, voire à quatre fois par semaine, l'acide salicylique. Donc, et l'acide salicylique à 2%. Au-delà de 2%, tu risques de cramer ta peau. Dans la deuxième catégorie, ça sera la catégorie des antioxydants. Dans la vidéo précédente, je t'ai dit que les points noirs, ils étaient tout simplement noirs ou foncés parce que le sébum s'était oxydé. Et ce sébum oxydé est devenu plus foncé, voire noir. Dans ce cas, il est vraiment important d'ajouter des antioxydants pour empêcher ce sébum de prendre cette couleur noire. Donc les antioxydants qu'on va utiliser ici, ce sera par exemple la vitamine C. Moi, j'aime bien la vitamine C parce que chaque fois que quelqu'un dit « Ouh, mon teint manque d'éclat, etc. », je dis « vitamine C ». C'est l'un des plus forts antioxydants en ce qui concerne antioxydants pour la peau. Donc le problème avec la vitamine C, c'est que la vitamine C peut irriter ta peau. Donc si tu trouves une bonne vitamine C qui n'irrite pas ta peau et qui est formulée environ dans les 10%, donc 8% encore ça va, à 5% ça vaut pas la peine. Ensuite, le niacinamide. Tu as besoin du niacinamide dans ta skincare routine parce que le niacinamide est un antioxydant. Donc il va lutter contre ton hyperpigmentation, mais dans ce cas-ci, les points noirs ne sont pas noirs dus à l'hyperpigmentation, ils sont noirs dus à l'oxydation du soleil et de l'oxygène. Donc c'est ça qu'il faut garder en considération et les propriétés antioxydantes du niacinamide seront vraiment importantes ici parce que, je me répète, ça va empêcher le sébum qui est juste là sur ta peau de s'oxyder, de prendre une couleur plus foncée. Mais le niacinamide a une autre propriété qu'on va utiliser, la régulation du sébum. Parce que les points noirs et les filaments, qu'est-ce qu'ils ont en commun? La surproduction de sébum. Et dans le cas des points noirs, le stockage du sébum. Donc, ce sera vraiment important
important. Je pense que entre la vitamine C et le niacinamide, parlant des points noirs, moi je me penserai vraiment vers le niacinamide, parce que le niacinamide va réguler mon sébum, parce que c'est le premier problème, et aussi va empêcher ce sébum là de s'oxyder. Donc je pense que je trouve que la vitamine C est un bon antioxydant, mais pour ce problème particulier, moi je vais m'orienter pour le niacinamide. Le dernier antioxydant que tu pourrais, moi je dis cette fois-ci pourrais parce que je trouve pas qu'il est indispensable, parce que c'est déjà un antioxydant que vous trouvez dans les crèmes de jour, dans presque toutes les crèmes, parce qu'il sera utilisé comme antioxydant pour empêcher les principaux actifs de interagir entre eux. Ça sera la vitamine E. Donc la vitamine E, tu peux l'acheter, tu peux acheter un sérum de vitamine E, ou alors tu peux acheter un sérum de vitamine C qui a déjà la vitamine E. Donc le sérum, la vitamine C des SkinCeuticals a la vitamine C, et vous avez aussi la vitamine E, et vous aussi vous avez la vitamine F appelée la vitamine ferulique. Donc vous avez vraiment, c'est un blend d'antioxydants. Malheureusement, ce sérum-là est un peu pricey, donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément te le conseiller. Si tu as le budget pour ça, go for it. Le troisième groupe pour moi, ce sera le groupe des ingrédients qui vont permettre à ta peau de se renouveler plus rapidement. Ce sera les dérivés de la vitamine A, encore appelée communément les rétinols. Donc, les rétinols, il y a plusieurs rétinols différents sur le marché. Vous avez le rétinol, l'alcool, vous avez des rétinols aldéhyde, vous avez des rétinoïdes, vous avez la dapeline qui est vendue sous le nom des différines, qui est une autre formule, un dérivé du rétinol, on va dire ça comme ça, parce que c'est une molécule qu'on a créée pour lutter contre l'acné juvénile et l'acné adulte. Donc c'est du rétinol. Le rétinol ici est très très important parce que la peau quitte de l'intérieur vers l'extérieur, et une peau qui se renouvelle rapidement fait moins de taches, fait moins de points noirs, parce que là vous avez une peau un peu plus fraîche qui n'a pas de comédons et qui n'a pas de sébum stocké à l'intérieur. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. J'essaie de faire des petites vidéos comme ça très simples qui ne vont pas vraiment me demander trop de temps à éditer. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.